Bonjour, bienvenue sur le site de Tour et Taxi. On est ici dans la gare maritime. La gare maritime, c'est une ancienne gare de transport qui a été construite début du XXe siècle parce que le port de Bruxelles était un port de mer. Les marchandises arrivaient un peu partout dans le monde, étaient déchargées dans les différents bâtiments historiques, dont la gare maritime, et puis étaient par voie ferroviaire réparties dans toute l'Europe. Le site a connu son apogée jusque dans les années 60, et puis avec les grands bateaux, etc., les ports de mer, vraiment situés à la mer, le site a eu un déclin assez rapide. Et début des années 2000, on a commencé le redéveloppement du site. On a commencé par l'entrepôt royal et les chètes, qui sont les deux bâtiments à côté, et la gare maritime, où on se trouve maintenant, le dernier bâtiment qui a été rénové de 2016 à 2019. Donc vous verrez, le bâtiment, c'est vraiment énorme. Pour vous donner une indication, le musée d'Orsay, qui est de la même période, début du XXe siècle, fait 18 000 m2, la gare maritime en fait 38 000. Donc on pourrait mettre deux fois le musée d'Orsay dans la gare maritime. Ce qui est particulier à la gare maritime, c'est qu'on a voulu, là où avant c'était au fait une plateforme multimodale avant la lettre, on a voulu faire un lieu de rencontre où plusieurs fonctions se croisent. On a des bureaux, on a des commerces, on a un food market, on a beaucoup d'interactions avec le quartier, avec un marché aux puces, le Vodemet, avec un maker's market. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'on a voulu faire, c'est en faire un lieu de vie, pas juste des bureaux où ça s'arrête en fin de journée, mais qui vit tout le temps. C'est aussi un bâtiment très durable dans le sens où on a récupéré le bâtiment existant déjà à la base. Un bâtiment, comme vous voyez, qui est très art nouveau, hein, avec les décorations, les petites fleurs, etc. Donc une fille de son temps, utilisation de l'acier, beaucoup de lumière. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit à l'intérieur 10 modules qui sont utilisés comme bureaux, commerce et autres. Et les modules ont été construits entièrement en bois. C'est-à-dire que le centre, c'est du CLT, hein, c'est du cross-laminated timber, c'est du bois collé. Et toutes les façades de parachèvement, c'est du chêne massif. Il n'y a pas de gaz dans le bâtiment, par exemple. Il est chauffé à la géothermie, donc on prend la chaleur du sol et des pompes à chaleur pour le chauffer. Et sur la toiture, il y a 18 000 m2 de panneaux solaires, ce qui fait que le bâtiment a assez d'énergie annuelle par rapport à sa consommation. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un bâtiment quand même assez exceptionnel. On a aussi mis 3 000 m2 de jardin pour créer un peu de végétation, parce que justement, pour casser le minéral du bâtiment, donc on a du bois, de la végétation et le minéral de la pierre.